c'est ta faute. C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. C'est toi. Allons, les enfants, ça suffit. Ça vaut pas. Si, ça vaut. Non, ça vaut pas. Ah, si, non, ça vaut. Non, ça vaut pas. Si, ça vaut. Merci. Non, ça... Fermez tous vos gueules. Tiens, tiens. On dirait que Caillou et Clémentine se disputent eux aussi. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Clémentine se fâche ». Descends, mon chéri. Clémentine est arrivée. Clémentine est arrivée. 3 weeks later. Entrez, c'est gentil d'avoir amené Clémentine. Twenty minutes later. Six hours later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? Tu dis bonjour, Caillou? Tu peux entrer, Clémentine. Caillou ne trouvait pas du tout ce jeu amusant. Non, moi je vais jouer avec les dinosaures. Un nounours et un lapin, j'ai une idée, ils pourraient être nos enfants. Ah! On va leur faire boire du chocolat. Caillou, viens t'asseoir. T'en veux un peu plus? Ouais, ouais. Un peu plus, ouais. Voilà, comme ça. Ouais, c'est quoi ce tornac? Y'a rien à bouffer. C'est un vœu. On fait semblant. Et puis on ne dit pas bouffer, on dit manger. Il va me rendre dingue ce soir, c'est pas possible. Sale pu... Bois, bois, étouffe-toi avec, sale... Carbaba. Bon, y'a une moque. Putain. Wallah, tu te rattrapes. La vie de ma mère, tu te rattrapes. D'accord. Bon alors, tes deux dinosaures vont être nos enfants. Mais nique ta race ! Mais j'en ai marre ! Mais j'en ai marre ! Encore manger! Je t'ai dit de me les rendre! Ils sont à moi! Maman! Voyons, qu'est-ce qui est arrivé, mon Caillou? Et Clémentine, où est-ce qu'elle est passée? Je n'aime pas Clémentine! Jouez ballon! Maman!
Caillou, j'ai plein de choses à faire. Écoute, je ne peux pas toujours m'occuper de vos problèmes. Mais what? C'est à vous deux de trouver une solution à vos problèmes. A few moments later. Que diriez-vous de vous excuser et de redevenir amis? Je m'excuse, Caillou. À ton tour, Caillou. Je m'excuse, Clémentine. Pour m'avoir poignardé dans le dos. 20 minutes later. Michel, le frère de Clémentine, était un as au baseball. Et Caillou était toujours très content de le voir. Maman! Tiens, tiens, on dirait que ça va mieux, vous deux. Papa! Tu veux jouer au baseball? Jouer ballon! Je crois que tu vas devenir un très bon lanceur. Dis, Caillou, toi et Clémentine, vous êtes vraiment bons au baseball. Ce serait bien de jouer de nouveau tous les trois. Quelle chouette idée! Tu te fous de ma gueule, putain!